Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Entrez, entrez. Merci de participer à cette reprise du cycle de conférences Avenue Centrale, que nous sommes heureux de vous proposer ici à la MSHA, qui a donc été concoctée par toute l'équipe, donc avec ici Naïma Germani ici présente, et puis donc Laurence Raphaël qui coordonne l'opération. Nous sommes contents donc de vous recevoir dans cette, dans cette amphi. En, en mixtentiel, hein, puisque certains sont à distance, d'autres en présence. J'espère que le ratio des présents et des absents va, va s'orienter vers une présence euh, accentuée dans les semaines et dans les mois à venir, avec ou sans masque, mais en tout cas, en chauffant peut-être voilà les, les sièges qui, qui nous sont mis à disposition. Euh, Aujourd'hui donc j'ai le plaisir d'accueillir de, de, Sandrine Batti, qui est directrice de recherche au CNRS, euh, qui est membre du laboratoire Cael et qui nous fait donc le plaisir de nous présenter une réflexion sur euh, la contribution des économistes à la réflexion autour du changement climatique. Sandrine, comme tu le sais, euh, nous avons euh, une demi-heure euh, qui est voilà qui est mis à disposition pour écouter ta présentation, puis ensuite nous laisserons la parole au public pour euh, pour les questions. Merci à toi et nous t'écoutons. Merci, merci beaucoup Laurent de, de l'invitation. C'est vraiment. Euh... Euh, un vrai plaisir que d'être là aujourd'hui parmi vous et voilà de pouvoir donner l'opportunité aux économistes qui des fois sont pas perçus dans les sciences sociales mais on sait pas très bien où les placer donc voilà j'espère que j'ai bien sûr toute ma place ici et euh, ben, voilà je voulais également commencer euh, cette euh, intervention par rendre hommage à Bruno Latour qui nous a quitté euh, ces derniers jours voilà dont les, les réflexions ont été euh, très inspirante sur euh, voilà les, bah, nos, nos rapports aux interdépendances euh, les, qui définissent notre territoire etc etc donc il y a vraiment plein plein de choses qui euh, sont euh, très importantes je pense de, de ces travaux pour euh, les réflexions autour de de, de de la lutte contre le changement climatique euh, alors Également, comme point de départ à mon intervention, euh, je voulais rappeler quand même quelques, quelques éléments de contexte et de constat. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on a un objectif international qui est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés au maximum et d'essayer de se rapprocher le plus possible des 1,5 degrés. Sachant qu'aujourd'hui, on, euh, on est déjà à un niveau de réchauffement climatique euh, au niveau euh, mondial, hein, euh, terre émergée et terre immergée euh, en, en moyenne de plus de, un, de 20 degrés, sachant que les terres émergées se réchauffent en moyenne deux fois plus vite que les, terres, euh, que, que les océans. Et donc, euh, donc voilà. Et par exemple sur les Alpes, on, depuis 1900, en euh, un peu plus d'un siècle, on a un réchauffement qui est de, de, de plus de degrés. Et ces dix dernières années à Grenoble, un réchauffement qui a été de 1 degré, donc un degré en dix ans. Si on veut limiter les, les émissions de gaz, enfin, les émissions de gaz à effet de serre, enfin, de manière à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial en huit ans. voilà. sachant qu'on on a eu une pause en, suite à la crise covid dans la croissance des émissions de gaz à effet de serre, mais que cette croissance est repartie à la hausse et que là, avec la, la crise énergétique et euh, la, la, les, toutes les politiques de soutien finalement aux énergies, aux énergies fossiles, on n'est pas euh, vraiment sur la bonne, la bonne trajectoire. Euh, donc voilà. Alors la difficulté euh, du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, c'est que c'est un bien. Enfin, le, le climat est un bien public mondial. C'est-à-dire que euh, moi en tant que Sandrine mati, ou euh, un pays, un état, une entreprise, si elle veut lutter contre le changement climatique, eh bien ses coûts pour lutter contre le changement climatique seront toujours supérieurs aux bénéfices que moi, l'entreprise, le pays pourront retirer de, de l'action. Et donc on n'a pas d'incitation au niveau individuel à agir pour lutter contre le changement climatique. Ce qui veut dire qu'il faut une action collective. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on a organisé depuis 1995 des négociations internationales sur le climat. Ces négociations internationales sur le climat, donc c'est les COP, les fameuses COP. Cette année, ce sera la COP 27, euh, et euh, on a eu la, la, la COP 3 à, à Kyoto, qui a débouché sur le protocole de Kyoto, des premiers engagements euh, des, pour les pays industrialisés, et aujourd'hui, on est avec l'accord de Paris, donc signé en 2015, qui a regroupé l'ensemble de la communauté internationale sur, pour des engagements sur pour limiter les, les, les émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, donc voilà, il faut, il, faut cette action, euh, il faut cette action collective. Alors quel a été euh, l'apport des économistes au moment où toutes ces négociations internationales se sont, se sont, se sont mises en place Eh bien, dès, euh, la, dans, dès les, les années 90, hein, les, les économistes se sont parlé de ce sujet et devant le constat qu'il y a ce risque de passagers clandestins, hein, puisque, on, encore une fois, hein, on a un n'a pas intérêt. Un pays n'a pas intérêt à agir. Il a intérêt à attendre que les, jeux, que les autres fassent des actions et qu'ils bénéficient des, de, des actions des autres. Et donc face à ce, cette dimension de, de risque de passagers clandestins, les économistes disaient bah, il faut un accord contraignant, un accord international contraignant. C'est facile à dire, plus difficile à faire. L'autre enjeu des économistes, c'est l'efficacité économique. Et c'est quoi C'est d'arriver à faire en sorte que les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui seront euh, induites par un accord international soient réalisées à moindre coût. Donc c'est ça le gage de la définition de l'efficacité économique, c'est vraiment qu'il y ait une dimension de moindre coût, qui peut être un facteur d'acceptabilité également hein, pour les populations, pour les pays, pour les entreprises, etc. etc. Et le corollaire de ça... Euh, la théorie les, les, montre que si on veut arriver à, à réduire les émissions de gaz à effet de serre à moindre coût, il faut mettre en place une taxe, en tout cas un prix unique du carbone au niveau international. Et donc un prix unique du carbone au niveau international, c'est un prix unique dans chaque pays, dans chaque secteur, pour les ménages, les entreprises. Voilà, un prix unique du carbone, une taxe carbone par exemple, qui peut être également un marché international de, de carbone. Alors d'où ça vient cette, cette idée de prix international du carbone hein, et de prix du carbone En fait, c'est euh, ce qui a été hérité du travail de Arthur Cecil Pigou, économiste britannique du, du, du début du XXe siècle, qui a introduit, qui a travaillé sur l'économie du, du bien-être et qui a int introduit la notion d'externalité. L'externalité, c'est quoi Ça peut être par exemple ce qui arrive entre un apiculteur et un verger. Euh, les abeilles vont polliniser les fruits et il euh, y a une espèce de. Euh, le, 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 ver, le, le, le propriétaire du verger va bénéficier, sans qu'il y ait une contrepartie financière, euh, des, du butinage des, des abeilles. Euh, donc, ça, c'est une externalité positive dans ce cas-là. Mais il y a également les, les externalités négatives. Les externalités négatives, c'est typiquement la pollution atmosphérique. Euh, qui font que euh, l'industriel va déverser de la pollution dans une rivière, mais qu'il ne paye pas pour le coût social, pour le coût des maladies qui vont être induites par euh, le, sa, sa production. Lui, il a ses coûts de production, mais il ne paye pas pour le coût social, et c'est la société dans son ensemble qui doit supporter le coût des dommages. Et donc, dans le cas du changement climatique, on a la même chose, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont brûler des combustibles fossiles vont émettre des gaz à effet de serre et chaque particule de CO2 qui va être émise dans l'atmosphère va entraîner un dommage certes marginal, mais va entraîner, quand, au final quand on va agréger tout ça, ben on va avoir les impacts du changement climatique. Et donc les impacts du changement climatique, ça va avoir un coût, bien sûr, pour l'ensemble de la société qu'il va falloir supporter. Et donc l'idée d'Arthur Cécile Pigou, c'est d'arriver à... internaliser dans les coûts de production, dans les prix de consommation, ces externalités. Et donc, comment on fait ça Eh bien, on essaye de calculer le coût des dommages et de mettre un prix dans les coûts de production qui couvre ce coût des dommages, de manière à augmenter les coûts de production des activités qui vont émettre des externalités, induire des externalités. Et donc, c'est donc ça l'idée, donc, avec une démarche de vouloir internaliser les externalités dans le système dans le système économique et donc tout l'enjeu c'est d'avoir ce signal prix hein, d'orienter du coup les actions de production les choix de, de les dans les investissements les équipements etc d'avoir ce signal prix qui va permettre euh, de euh, de rendre plus coûteuses les activités qui vont émettre des émissions de gaz à effet de serre alors ok très bien ça c'est ce que nous dit la théorie après Comment on met ça en pratique et, que, et typiquement quel niveau de prix du carbone il faudrait mettre en place au niveau international pour arriver à des objectifs permettant de limiter les, 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 les dommages du changement climatique Alors les économistes donc ils formalisent un peu tout ça et ils disent bah voilà si on est dans un monde où on veut dans, si on veut essayer de se placer à l'optimum dans un monde de premier rang ce qu'on appelle un first best dans un monde de premier rang, on va essayer de faire en sorte, effectivement, d'être euh, à l'optimum, c'est-à-dire au croisement des courbes, des coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des dommages. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver à calculer une fonction de dommage, être en mesure de dire, en fonction du, taux de, du niveau d'émissions de gaz à effet de serre, quel niveau de dommage, quel coût des dommages je vais avoir au niveau planétaire. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux d'arriver à faire ça puisque vous imaginez juste pour vous donner une idée donc une, une petite typologie des dommages du changement climatique première euh, première euh, catégorie de dommages ça va être la dégradation du capital naturel par exemple la, les pertes de rendement sur l'agriculture du fait de, des sécheresses euh, du, de la hausse de la température etc, etc. donc Calculer le coût des baisses de rendement, ça on peut se dire. Bon, on va regarder euh, ce que les climatologues nous disent, les agronomes, euh, la perte de rendement. On multiplie ça par le prix du marché, euh, le prix de marché du blé. On arrive à avoir une euh, voilà une perte de production à mettre une valeur sur la perte du, de, de, des rendements euh, agricoles. On va avoir une perte de ressources euh, en eau avec des, des régions à forte tension en eau d'autres à moins moins de tension des euh, conflits d'usage alors là déjà ça commence à devenir un peu plus compliqué de mettre des valeurs euh, de mettre des valeurs là dessus et puis on va avoir également tout, des impacts sanitaires qui vont être dus soit à des pics de chaleur soit à, à des euh, des, euh, des, 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 des catastrophes, euh, soit à la propagation de maladies, euh, la dengue, le chikungunya, le paludisme, etc., etc. Et là, comment on va mettre des, des coups sur des maladies, sur de la mortalité? Alors, vous inquiétez pas, les économistes, ils ont des méthodes pour mettre des coups là-dessus. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même, euh, on voit bien qu'il y a des enchaînements euh, à gérer, d'incertitudes, de, 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 des problèmes méthodologiques. Donc ça, c'est la première catégorie, dégradation du capital naturel. Autre catégorie, dégradation du capital productif. Les tempêtes qui vont détruire des ponts, des maisons, etc. etc. Euh, autre catégorie, l'impact sur la biodiversité. Alors, la biodiversité, on va pouvoir valoriser la perte de services rendus par la nature, par exemple, les abeilles. Euh, on va également... Alors, la disparition de l'ours polaire, est-ce qu'on lui, met une, est -ce qu lui accole, une, accole une valeur économique bah Oui, une valeur d'existence. On n'a on pas envie que l'ours polaire disparaisse. Euh, voilà. Et après, on va avoir tous les effets de système, les migrations de population au sein des pays au-delà des frontières. Les effets d'équilibre général, le fait que quand on va avoir une, une catastrophe climatique, on peut avoir des effets en chaîne. Euh, quand on va avoir une, deux, trois catastrophes climatiques, on peut avoir des effets de, de, de propagation des, des déséquilibres qui vont être extrêmement, extrêmement importants. Et donc, on se rend bien compte que c'est très, très compliqué, en fait, finalement, de donner une valeur au, à ces dommages climatiques. Et au final, aujourd'hui, c'est quelque chose que les économistes n'arrivent pas bien à faire. Alors, certes, il hein, y a des travaux hein, qui sont publiés dans les plus grandes revues internationales. On donne même des prix Nobel d'économie à des, 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 des économistes qui qui sont dans cette démarche-là, typiquement un hein, Nordhaus est dans cette démarche-là. Il fait des, des, ce qu'on appelle des modèles coût avantage où on a des coûts de, de réduction. Il a une fonction de dommage, il calcule l'optimum et il trouve que l'optimum du réchauffement climatique est assez élevé quand même. Euh, voilà. Donc finalement, aujourd'hui, les économistes se placent plutôt dans une démarche de seconde best où on, on, on fait le deuil de cet optimum économique et on se dit bah voilà. On se dit aujourd'hui par exemple, l'horizon pour nous c'est d'essayer d'atteindre la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone c'est euh, on n'a plus d'émissions nettes de gaz à effet de serre à l'horizon de la fin du enfin, de la deuxième moitié du, du siècle. C'est-à-dire que toutes les émissions de gaz à effet de serre euh, qui seront euh, résiduelles devront être compensées par des absorptions de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc après l'économiste il dit bah voilà, j'ai un objectif euh, de réduction. Donc là on passe plus par les dommages, on, on squeeze euh, on se dit, bah, de toute façon, on sait que les dommages climatiques vont être très importants, donc soyons dans une démarche où, voilà, on vise la neutralité carbone pour limiter le réchauffement à 1,5 de degré, et on regarde après les politiques qu'on peut mettre en place pour atteindre cet objectif de réduction. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence hein, d'approche, mais euh, dans la première approche, c'était vraiment l'économiste qui est au poste de commande et qui dit voilà l'optimum de réchauffement. Euh, là, l'économiste dans cette démarche coût efficacité, il dit voilà l'œil politique qu'il faut mettre en place pour atteindre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ce, dans ce cadre-là. Euh, on arrive à définir des trajectoires de, de, de prix du carbone qu'il faudrait mettre en place. Alors ça, c'est bien, bien, bien joli, hein, sur le papier, on arrive à le faire. Le problème, c'est que dans la vraie vie, bah, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a quand même des obstacles. Et typiquement dans les négociations internationales, c'est ce qu'on a essayé de faire entre la, la, la négociation de, de Kyoto 97 et, la, et euh, la conférence de Copenhague en 2009, où on s'est rendu compte qu'en fait, bah, finalement, on n'arriverait pas à mettre en place un prix du carbone niveau international parce que mettre un même prix du carbone par exemple 100 dollars la tonne de CO2 aux États-Unis ou au Bangladesh bah, ça n'a pas tout à fait le même impact sur le, le bien-être des, de, des populations, donc il y a des enjeux Nord-Sud qui sont euh, irréconciliables de, de, de ce point de vue-là. Il y a également des problèmes puisque on n'a pas tous les mêmes besoins énergétiques. Hein, quand on vit euh, euh, dans, des pays, euh, dans des pays froids, euh, en Scandinavie, euh, on n'a pas les mêmes besoins en termes de chauffage. Euh, on n'a pas, quand on vit dans des, pays, des grands pays vides, avec des distances très très grandes, euh, bah, là aussi, on n'a pas les même besoin. Donc voilà, il euh, y a des, des problèmes d'équité hein, qui sont euh, qui sont très difficiles à, à, à résoudre. Et puis il y a également les problèmes de compétitivité internationale, hein, puisque certains pays vont dépendre fortement d'industries qui vont être fortement, qui vont être intensives en consommation d'énergie. Et donc là, voilà, il y a des, tous ces enjeux de compétitivité internationale. Donc au final, on s'est rendu compte que c'était impossible d'avoir euh, cette approche-là pour aboutir à un accord international. Et donc on est reparti après euh, après Copenhague sur une approche plus bottom up, c'est-à-dire qu'on est parti des pays, des priorités de développement des pays, et en fait, c'est les pays qui ont donné leur propre contribution à la négociation internationale et qui ont proposé leur propre politique nationale euh, qu'ils étaient, qu qu étaient prêts à mettre en place pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour montrer qu'ils étaient de bonne, de bonne volonté pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et donc c'est cette, cette, cette approche. Qui a conduit à l'accord de Paris euh, signé en 2015 et aujourd'hui on est toujours euh, voilà dans ce, ce régime-là, euh, qui est une démarche beaucoup plus pragmatique et qui fait que au lieu d'avoir un prix unique du carbone, eh ben on a tous les pays qui développent leur propre système de tarification du carbone. Et aujourd'hui, alors le premier pays qui a mis en place une taxe carbone, c'est la Suède au début des années 90. Euh, le, la, la taxe carbone en Suède aujourd'hui est au delà, il est autour de 140 euros la tonne de CO2 contre euh, euh, en France euh, le, le tiers à peu près. Aujourd'hui on a 47 juridictions dans le monde qui ont mis en place donc Pays, province, regroupement de province, regroupement de pays, l'Union européenne a un, un système de prix du carbone, de marché de, de, de carbone, mais avec un prix du carbone. Donc, on a 47 juridictions qui représentent 60% du PIB mondial qui ont qui ont un prix du carbone. Euh, ces prix du carbone génèrent des revenus hein, qui représentent de l'ordre de 50 milliards d'euros au niveau au niveau mondial à Comparé aux 450 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles qui étaient donc alloués avant la crise Covid, etc., etc. Donc ça c'est sans compter toutes les politiques de soutien, de bouclier tarifaire qui aujourd'hui continuent à subventionner les énergies fossiles. Mais bon c'est quand même 50 milliards d'euros de revenus de ces fiscalités carbone. Par contre on est sur des prix du carbone aujourd'hui qui sont trop faibles pour, avoir, pour effectivement jouer leur efficacité de signal économique et de signal prix pour orienter les, les choix de, des consommateurs et des industriels, euh, puisque euh, on a beaucoup de, de, de prix du carbone qui sont en dessous de 10 euros la, la tonne de CO2. Euh, alors qu'il faudrait être sur... Euh, Aujourd'hui, en 2020, il, enfin, il faudrait être sur des prix entre 40 et 80 euros la tonne de, de CO2 pour que ce signal-prix soit efficace. Alors, par exemple, si on essaye de se focaliser un peu sur ce qui se passe en France... Donc aujourd'hui, on a une taxe carbone hein, depuis euh, 2014 qui, euh, qui, qui a été introduite, et euh, pour euh, atteindre la, donc l'objectif de la France, c'est la neutralité carbone en 2050. Et cette, on a une trajectoire de prix du carbone, euh, alors qui s'appelle la valeur tutélaire du carbone. C'est en fait une espèce de, 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 de référentiel euh, à la, qui permet de, de comparer en fait les politiques qu'on met en place. Euh, et la taxe carbone. Donc, ce, 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 cette trajectoire, c'est le rapport de, de Kiné hein, qui, euh, qui définit cette trajectoire, qui a été dév développée à l'appui de travaux de modélisation euh, en économie. Euh, et donc, cette trajectoire passe par un point qui est 250 euros la tonne de CO2 en 2030. Aujourd'hui, on est autour de 50 euros la tonne de CO2. 250 euros la tonne de CO2, ça veut dire quoi Ça veut dire un prix, un prix de l'essence, par exemple, qui est de l'ordre de euh, qui serait de l'ordre de 2 euh, de, euros le, de, un peu plus de euros le litre. Donc, si on compare en fait, euh, ça par rapport, enfin, 2 euros le litre, si on prend le prix, le prix de l'essence avant, avant la crise, d'accord Donc, et ce qui est aujourd'hui le prix qu'on aurait auquel on, on devrait faire face s'il n'y avait pas les, le bouclier tarifaire, d'accord euh, Alors bien sûr, euh, le, le, le problème, c'est que vous voyez, on est dans, dans une situation où, par exemple, quand on a voulu augmenter la taxe carbone en 2018, plus, 2018-2019, les gilets jaunes. Donc il y a eu les gilets jaunes. Cette taxe carbone, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle crée des revenus fiscaux pour l'État, pour, pour le budget de l'État, euh, qui permettent de financer d'autres politiques et éventuellement des compensations vers les ménages euh, qui sont les plus vulnérables hein, et c'est par exemple ce qui avait été proposé au moment du Grenelle de l'environnement c'était euh, de créer cette taxe carbone mais de financer un chèque vert vers les ménages qui, ont, euh, qui sont les plus modestes qui vivent dans les zones dans les zones rurales etc etc euh, voilà donc on peut ça permet de redistribuer d'en de, faire une politique de redistribution parce que Certes, une taxe carbone, si on redistribue pas les revenus, c'est régressif. Ça augmente les inégalités dans la population puisque les ménages les plus faibles doivent consacrer une plus grande partie de leurs revenus à payer la taxe carbone. Même si en volume, c'est les plus riches qui paieraient plus de taxe carbone, n'empêche que par rapport à leurs revenus, ça augmenterait les, les inégalités. Donc, il faut de la compensation. Et donc, euh, typiquement, un chèque vert. On peut aussi faire d'autres choses avec les revenus de la taxe carbone. On peut faire, par exemple, euh, financer une baisse des charges sur l'emploi. Donc, qui permettrait également de euh, favoriser l'emploi. Euh, voilà. Donc, on peut faire euh, privilégier des politiques de redistribution, des politiques qui vont euh, booster euh, l'emploi. Voilà. Là après, nous, on, les économistes donnent les conclusions de leurs travaux. Après, c'est aux politiques de s'en emparer et de voir euh, entre efficacité euh, du système économique et euh, équité euh, ce qu'il ce qui, ce qui, ce qu faut faire. En tout cas, juste pour euh, comparer, en 2018, on, augmente, on a une décision, une annonce de augmenter légèrement les, la, la, la taxe carbone. On a les gilets jaunes. Aujourd'hui, on a la crise énergétique, la crise ukrainienne avec donc mise en place d'un bouclier tarifaire euh, pour amoindrir le choc sur, sur les ménages. Et on voit qu'en fait, on est perdant-perdant, puisque d'un côté, l'argent qu'on aurait pu récupérer avec la taxe carbone, bah, du coup, on la récupère pas. Mais au contraire, le prix, de, le prix des carburants est tellement haut que ça va enrichir les producteurs d'énergie fossile. Et en plus, euh, l'État doit financer... Euh, le, bouclier, euh, le bouclier, tarifaire, qui a déjà coûté euh, plus de 20 milliards d'euros euh, depuis, euh, depuis un an et qui va coûter encore 40 milliards d'euros en 2023. Donc, euh, donc voilà. Pourtant, la taxe a peu d'acceptabilité euh, dans la population euh, et de toute manière, on n'arrivera pas à faire tout le boulot de décarbonation de l'énergie avec uniquement la taxe carbone. Ça, c'est euh, bien sûr, c'est oh, euh, impossible d'autant que finalement les ménages, les industriels préfèrent les normes. Alors les normes, pour un économiste, ça coûte c'est pas du tout l'efficacité économique, ça coûte très cher, euh, voilà mais par contre, c'est des coûts invisibles. Donc au final, les, euh, les acteurs économiques préfèrent euh, cette approche par les normes. Et donc il va falloir voilà, arriver à faire du, 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 du bon tuning entre une fiscalité carbone, des normes, euh, sur les, donc voit, hein, les normes sur les les normes sur les voitures euh, c est, c est, voilà des, euh, euh, des les réglementations thermiques aussi hein, ça permet d'augmenter de, de, l'efficacité euh, l'efficacité des des, des des logements des mesures de, de sensibilisation d'information typiquement les étiquettes énergie euh, qu'on a vu apparaître au début des années 90 sur les équipements électroménagers. Aujourd'hui, il y en a sur les voitures, sur les logements. Ça fait son boulot. Les, les, le parc d'équipements d'appareils électroménagers a été complètement modifié hein, par, par l'introduction de ces étiquettes énergie. Euh, voilà, et autre mesure par exemple bonus malus également sur les sur les voitures euh, qui peut être e efficace si tant est que euh, les, les, les bonus et les malus sont bien fixés de manière à ce que les bonus ne soient accordés qu'aux véhicules qui sont vraiment vertueux les plus vertueux d'un point de vue euh, d'un point de vue environnemental. Donc voilà, on voit qu'il y a plein de choses il y a plein de choses à faire. Et L'autre problème de la manière dont les, les discussions ont été engagées dans les négociations internationales, dans les débats, euh, dans les débats politiques au niveau national, etc., c'est etc., que les politiques climatiques sont principalement perçues comme des coûts et uniquement. Et donc, c'est un fardeau. On le considère comme un fardeau. Euh, alors que, bah, finalement, quand on réduit les émissions de gaz à effet de serre, bah, on fait plein d'autres choses en même temps. Par exemple, on peut réduire la pollution. Si on brûle moins de carburant, on va réduire la pollution. Ça, ça a des impacts sanitaires extraordinaires. En plus, ça peut conduire à, si on prend moins la voiture, à faire de la mobilité active. Donc là, on a encore d'autres bénéfices sanitaires. Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, on va réduire également la consommation de viande. Et là, ça a d'autres impacts sanitaires, bien sûr, également sur les forêts, les paysages, la biodiversité. Euh, on va également euh, réduire notre facture énergétique et augmenter notre sécurité énergétique. Tiens, peut-être que ça fait écho à certaines choses, etc. etc. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices des politiques climatiques. Et quand on, en, quand on inclut en fait les co-bénéfices des politiques climatiques en plus des bénéfices des politiques climatiques. Enfin, non, si on, non même pas. Si on regarde uniquement les co-bénéfices des politiques climatiques, ces co-bénéfices sont d'une valeur économique supérieure au coût de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc rien qu'en considérant les co-bénéfices des politiques climatiques sans te tenir compte même des bénéfices climatiques qu'on aura, eh bien on est gagnant. Et donc l'avantage de ces co-bénéfices, c'est quoi C'est que par exemple si euh, on a une collectivité qui veut euh, prendre à bras le corps les problèmes de la pollution et du changement climatique. eh bien c'est vrai que les bénéfices climatiques, ça va pas être très parlant. Pour la collectivité, parce que c'est des bénéfices qui sont lointains, à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est pas parce que moi je vais réduire, c'est pas parce que Grenoble va réduire ses émissions de gaz à effet de serre, que il va moins souffrir du changement climatique. Euh parce que c'est des bénéfices qui vont être répartis sur l'ensemble sur de la planète. Par contre, s'il réduit les émissions de gaz à effet de serre, il va sans doute réduire également les émissions de polluants. Et là, ça a un impact intéressant, parce que là, il va réduire l'exposition le, de sa population à la, à, la, à la pollution, il va réduire les coûts sanitaires, et il va améliorer la qualité de vie de sa population. Et en plus, s'il si promeut, à travers des politiques de réduction de la pollution et des politiques climatiques, des politiques de mobilité active, et eh bien là, il va y avoir encore un troisième bénéfice qui va être au niveau individuel et qui va faire que les gens, plutôt que de prendre euh, leur voiture, vont prendre... Euh, vont pr chercher un moment à privilégier euh, la marche à pied, le vélo, etc., etc. Et là, j'ai encore d'autres bénéfices qui vont jouer vraiment au niveau individuel et qui vont être un levier extraordinaire pour les populations euh, pour passer, pour changer un peu leur, leur mode de vie. Et c'est typiquement ce qu'on a réalisé dans un projet que j'ai coordonné euh, avec des, des, des équipes sur le, sur le campus là, où on a regardé, par exemple, si on, on a travaillé avec euh, avec l'agglomération grenobloise, et on a regardé si on veut réduire l'impact sanitaire de la pollution sur Grenoble, qu'est-ce qu'il faut faire Par exemple, 145, on estime qu'il y a, enfin les épidémiologistes du campus estiment qu'il y a 145 personnes par an qui meurent prématurément chaque année du fait de la pollution aux particules fines sur, donc sur les territoires. Si on veut diviser par trois cette mortalité, que faut-il faire ben Il faut agir sur deux secteurs. Il faut changer tous les chauffages au bois qui sont pas efficaces par des poêles à granulés et il faut réduire de 36% le nombre de kilomètres parcourus par les voitures sur le territoire de l'agglomération. Et donc si on ré... donc ça c'est le résultat des, des, des travaux de, de simulation. Et donc si on réduit de 36% cette, les kilomètres de, de parcourus par les voitures, bah, il va falloir faire plus de mobilité active, vélo, etc, etc. Et là on se rend compte que c'est plus on passe plus de 145 donc à une centaine une cinquantaine de morts, de morts par an en termes de pollution. Donc on a c'est 100 morts évitées, mais en plus, on va avoir le double, euh, pr près de 200 morts supplémentaires évitées euh, du fait de la mobilité active. Et donc là, c'est des bénéfices qui sont perceptibles et tangibles pour la population dans son ensemble. Et après, si on fait une évaluation coût-bénéfice de tout ça, on va tenir compte des coûts de mise en place des, des politiques pour accompagner ces, ces mesures. Et si on tient compte de tous les bénéfices, donc, sur la santé du fait de la, de la baisse de la pollution, du fait de l'activité, l'activité physique, du, baisse, du fait de la baisse du bruit également, puisque si on a moins de voitures, on aura moins de bruit. Là aussi, c'est un impact sanitaire important, moins d'émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Si on met tous les coûts et tous les bénéfices dans la machine, on se rend compte qu'au final, c'est un bénéfice par habitant chaque année de l'ordre un bénéfice net de 600 euros par an pour chaque habitant de l'agglomération pendant 30 ans. Voilà, donc là, c'est typiquement le genre d'études qu'on qu qu a présenté et qu'on a mené avec, avec l'agglomération grenobloise. Et là, on se rend compte qu'il y a la, le potentiel d'avoir un effet levier pour about, adopter des politiques ambitieuses qui soient ancrées sur un territoire et que la population puisse s'approprier. Euh, voilà. Et donc là, je pense qu'il y, y a effectivement une opportunité pour les politiques climatiques d'arrêter d'être perçues comme un coût, mais vraiment comme une opportunité, voilà, pour développer aussi un, un territoire. Voilà. J'espère que j'ai un peu retracé, hein, voilà, toutes les, les contributions, euh, la nature des contributions des économistes à ce dossier qui est ma foi. Euh, compliqué et qui, euh, c'est vrai, qu ça fait 20 ans qu'on travaille sur le dossier, et est un peu fatigant. <laughs> Je vous remercie. Merci.